Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur ce Let's Play sur Stray, l'épisode numéro 4. Alors, dans l'épisode précédent, on était monté en haut d'une tour. En haut de cette tour, on a posé la radio qu'on avait réparée pour pouvoir contacter les copains de Momo. Ce qu'on a fait avec succès, donc on a réussi à contacter Balthazar, ou Sbalthazar je crois, qui nous a dit qu'il fallait passer par les égouts. Sauf que les égouts, c'est pas terrible. Et donc, justement, pour pouvoir passer dans ces égouts, on cherche une arme, je crois, ou une lampe torche UV, quelque chose dans le genre-là, qui a été crafté par un doc. Et ce doc, on ne sait pas où il est, donc le but, c'est de retrouver ce doc grâce au traceur que l'on a fait réparer par notre ami Elliot, ici présent. Et donc, on doit ramener ce traceur, je pense que je l'ai dans l'inventaire, à Seamus, le fils du doc. Donc on va lui amener ça tout de suite. Par contre je ne sais plus trop où il était. On va sortir par en haut. Alors il me semble qu'il y avait des UV un peu verts dégueulasses pas loin de chez lui. Avec un peu de bol on va trouver une zone verte. Ah ouais, je me souviens de cette tâche. Oula. On n'a rien vu. Le voilà. Prends le traceur, vas-y. Fais-toi plaisir. Allons-y. On doit le suivre à cette vitesse. Ça risque d'être un peu long. S'il est planqué juste à côté de nous, c'est un peu... Ah, ils aiment bien les végétaux qui poussent dans le noir. Hein. Ah ouais. Ça, c'est de la méthode de recherche. Allons-y. Bonne d'or. Ah, bienvenue à Gerbeland. Super. Bon, ça va, il nous accompagne. On va se faire bouffer avant nous si jamais il traîne. Oh! Pas très beau ce badge, hein. Choisir un autre logo entre nous. C'est joli tout plein par ici.
Oh, un tuk-tuk. Sens interdit. Cul-de-sac. Oh non. Oh quel malheur. Oh la vache. Moi la paix. Aïe, mauvais passage. Ah oui. Mauvais passage. Je commence à mieux me débrouiller avec ces bestioles quand même. Hein. Allez, c'est parti. Là là là, non. Hein. Quand on fait des zigzags, ça va beaucoup mieux. Ah non. Ah ouais, je passe à droite. Faut que je passe à droite. C'est dommage que je suis passé par le côté, j'aurais presque réussi du premier coup. Bien large. On a dit à droite. Peut-être pas la meilleure idée non plus à droite, hein. Chaud ce passage-là, hein. Au milieu. Punaise, il y en a encore plein. Voilà. Bon. Se remettre des émotions là. Il est futé ce chat. La théorie du chat qui retombe toujours sur ses pattes. Vraie balade de santé. Ah oui. Ça va, il fait que boiter. Il boite pas longtemps en plus. Allez hop, le coup de l'échouille. C'est bien par là. Oh là là.
sortir la lampe torche. Et que ça serve jusqu'à maintenant, ça n'a pas trop servi. On va la ranger. Oh. C'est pas la planque de Doc, ça ? Oh, vous voulez me manger ? Ouais, il a une tête de Doc, lui. Défluxor. Ah bon. C'est bien, faut trouver le défluxor. J'allais dire des adultes qui portent ça. Très bien, j'ai loupé beaucoup de souvenirs quand même. Ça, c'est une tête de défluxor, ça. Gigawatt. Allez. Suivons Monsieur Doc. N'empêche, je sais pas ce qu'il ferait sans le chat, hein. Confiance règne. Oh là. Oh. Très bien. Alors, oh la vache. Allons remplacer le fusible. Gerbeland, nous voilà. Ouais, faut suivre le câble, il a dit. Oh, ça va. Le chemin n'est pas trop long. Ah oui. Ça a l'air d'attirer du monde. Ah mais c'est pas mal ça, dis donc. Frérot, ça va, il est plutôt balèze le robot. Me revoilà. Et on est bon, hein. Bon.
Ah bah oui. Pas sûr qu'il peut porter tout seul et... Très bien. Ah. Faut pas en abuser. On s'en sert du début machin. Ah d'accord, clic gauche. Ha ! A pu. D'accord, il y a un temps de charge, une fois qu'on l'a... Faut le laisser reposer, ça roule. Bah oui. Ça change la vie, ça, tout de suite. Oui, il n'y a pas besoin de le dire. Il n'a pas l'air sûr de son nom, truc, quand même. Allez, on est parti. Ah, si c'était juste là la ville, par contre, c'est une blague. Ah ouais. C'était beaucoup trop simple. Sans s'interdire, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Pour un hamster à force. Et voilà. Ça va arriver dans tous les sens. Ah oui, ça a surchauffé. C'est vraiment une courte utilisation. Bon, on a réussi à ouvrir la porte. On n'a rien fait, mais... Ah oui. Ah frérot, faut courir, hein. Alerte! Alerte! D'accord avec toi. Bon, le chemin était pas si long que ça pour retourner chez lui. Gauche ou droite? Droite. Ah, mais on n'est pas encore arrivé. Mais si, c'est là. Allez, Bob.
Quelle famille! C'est beau l'amour. Par contre, ils ont un flow. Lui, il est stylé, le moine Shaolin, mais le reste. Triste. Ah oui, c'est vrai, maintenant on va aller aux égouts. Oh là là. Direction Balthazar. Sbalthazar. Maud attend sur son bateau. Très bien. Allons-y, le bateau. Voilà Momo, Momo le frérot. Très bien. Il y a un souvenir quelque part. Là, je me sens trouver un souvenir là. Non. On pourra pas dire que j'ai pas cherché là. Hein. Comme bizarre qu'ils ont fait une petite cabane comme ça pour pas mettre de souvenirs dedans. Tu sens fait des pièces électroniques. Allez, on va les défluxorer. Ça fait un peu non, un nom de dentifrice un peu. Défluxor. Oh, c'est pas si moche les égouts pour l'instant. Voilà, Gerbeland. De faire là. Je parlais à Momo. Bien Momo. Et le chat de la situation. Voilà. C'est pas des petits œufs ça. Hein. À la tronche, ça va être terrible. Hein. Ça fait du bruit en plus. Ah ouais, pire idée. Saloperie. Ça a l'air vivant. Attends-moi, Momo. Voilà.
la lampe torche elle sert quand même. Surtout depuis qu'on a le rayon destructeur de la mort là. Inutile. J'ai rien compris. C'est normal, t'as super chat avec toi. Ouais, un écran rouge, c'est là-bas qu'on va. Sûr. C'est sûr. C'est un robot sur la droite? Ah non, des sacs. Il y avait un truc tout en haut à gauche là, vous l'avez vu? Ah bah voilà, Momo il a tout cassé. C'était sûr. Manuellement. Eh bé. J'aille de l'autre côté, c'est ça? Ah ouais, il tire la chaîne comme ça. Oh la vache. Terminator lui en fait. Bon, par contre c'est Gerbeland encore. Hein. Ah faut que j'y aille moi-même. Super. Clémentine et Balthazar. Ah, il veut pécho Clémentine lui. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Oh la vache. Ça donne faim tout ça. Non, on peut passer, par au-dessus. Oh la vache. Je sais pas si elles s'activent sur le passage ou est-ce que c'est quand on les fait exploser. Dans le doute, on va l'exploser les pustules parce que j'ai pas envie que ça me chasse. Oh, il y a des machins derrière le mur, donc on va aller à gauche quoi. Oh mince. Bon, vu le monde qu'il y a par là, c'est par là, hein. Hop, dératiseur. De sécheresse sous terre. Ah, on a trouvé un souvenir. Oui, c'était plutôt évident celui-là, mais. C'est parti pour un peu de parcours. Non, pas par là. Non, a priori ce n'est pas par là. Pas descendre. Je suis venu là juste pour un souvenir.
Très bien. Bon, là, on peut clairement pas passer. On va aller par là. Herbeland niveau 3. On devient bon quand même sur la lampe UV là. Limite de la surchauffe là. Fumé B12. Le pauvre. Ceux qui aiment bien s'éclater les points noirs sur le nez doivent kiffer ça. Hein. On voit catch là. Hein. Crever en faisant ça. Bon, on peut clairement pas en abuser. Ah ouais. Voilà, on va nettoyer un peu parce que dès qu'on va activer le levier, ils vont nous spawn dessus comme des fous furieux. Non. Hop. Il n'y a plus beaucoup. Et voilà. C'est là qu'on va voir si on en a oublié ou non. C'est beau dans cette laideur. Très bien. Oh. Même pas peur. Beaucoup plus simple maintenant. Oh. Alors ça c'est dégueulasse. Ça c'est hideux. Vraiment moche et perturbant. On va se manger des vagues. Oh, c'est vraiment les. Ce genre de choses là, c'est. Ma hantise. Dégoûtant. Ça me débecte. Oh la vache. Ah ouais, c'est quand on passe à proximité qui pète les machins. On va juste pas passer à côté et ça devrait aller. Mince, j'ai fumé B12. Ce
qu'est-ce que je trouve ça dégueulasse. Les jeux d'horreur, c'est ma hantise. Ça me rappelle tout ce que je n'aime pas chez les jeux d'horreur. Je suis incapable de finir un jeu d'horreur. J'ai essayé Alien, Isolation. Je crois que j'ai fait 20 heures de jeu, j'ai même pas fait un tiers du jeu. J'ai passé 15 heures dans les placards. Réellement. Les placards chez Alien, c'était incroyable. Gauche ou droite? Droite. Allez. Oh, il y a la tête du chat. On est arrivé. Oh la vache. Oh non, il y a des yeux qui vont s'ouvrir. C'est vraiment hideux, hein. Oh là là. C'est une horreur, hein. Oula. J'aurais peut-être dû faire le ménage. On va voir ça. Oh là 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 là. Ouais. Je vais le regretter. Je peux pas passer. Faut que je fasse le tour. Oh là là. Ils peuvent pas me rush, hein, on est d'accord. Il faut que je fume ça, j'ai pas le choix. Hop. Masse. Ok. On va tracer, je ne sais pas si c'est la meilleure des idées que j'aurais eu. Ça va. Les gars, passe pas là, non. En tout cas, les yeux, ils aiment pas, hein. Ah non, retourne pas chez le frérot. Une petite flèche qui dit d'aller à droite. Oh là là, c'est vraiment hideux. Oh là là. Touk touk. Oh, il y a un giga œil là. Oh. Oh là là. C'est vraiment perturbant, ça. Même lui, il est au bout de sa vie. Voilà. Ah ouais. Va se surchauffer là, frérot. Aïe aïe aïe, je vais devoir courir. Sauf qu'il peut. Ça va être chaud, hein. Ok, bon, c'est plutôt simple. Ça va, ça aurait pu être pire.
Ok. J'ai rien dit. Droite, gauche, gauche. Droite. Facile. Hé, hey, premier coup. Coup trop simple. Allez, on se réveille là. De rien. Bon, c'est pas la première fois. Ah oui, ah c'est chiant ça. Ah bah oui. Je perds la lampe UV. Bon. Eh bien, je pense que ce sera assez pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker et à souscrire à un abonnement. Et on se revoit pour l'épisode 5. Allez, tchuss.